Bon les amis, c'est bientôt l'été et cet été j'aimerais pas casser des voitures mais j'aimerais plutôt faire des vlogs. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui on va ouvrir un stabilisateur pour téléphone. C'est la marque OM qui m'a envoyé ça et on va voir ce que ça donne. J'espère que vous allez bien, moi je viens de me laver les cheveux. Est-ce qu'on dirait que je sors de la piscine ou pas? Je ne sais pas. On va découvrir ça parce que c'est vrai que cet été j'aimerais faire plus de vidéos dehors. Avec ce genre de stabilisateur je pourrais faire des plans ou me balader rapidement, pas avec une grosse caméra en la tenant à bout de bras, mais avec quelque chose de stable. Et plus j'essaie de me filmer avec ma caméra comme ça, plus je vois que la stabilité c'est quelque chose d'assez important pour le visuel et pour que ça rende bien tout simplement. Mais qu'est-ce que c'est difficile bordel, c'est un truc de ouf. Et là je pense qu'on va être choqué par ce genre de produit, j'en ai déjà ouvert un sur ma chaîne, mais là je pense qu'on a quelque chose à voir et à redécouvrir avec ce produit. En tout cas si vous aimez les vidéos unboxing et les vidéos review, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Je vous réserve beaucoup de choses pour cet été les amis, donc n'hésitez pas à mettre beaucoup de likes et à me dire ce que vous voulez voir en vlog cet été. Bref, on se retrouve sur ma chaîne pour commencer l'unboxing et pour raconter notre vie. Donc c'est parti les amis. Bon les amis, hier j'ai eu un petit lapin au chocolat, j'ai commencé à lui casser la gueule, mais après je me suis rappelé que je devais faire une sèche. Enfin du moins perdre du gras pour cet été, donc écoutez, je vais le faire gagner ce lapin. Plus sérieusement, on se retrouve avec le Koju. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà ouvert évidemment pour voir ce que c'était comme objet, même si j'aurais pu tout simplement lire là, parce que le packaging est tellement bien fait qu'il y a le nom de la marque juste ici et un petit slogan juste ici. Donc ça c'est royal. C'est pas du tout, mais alors pas du tout souvent que j'ai ce genre de produit, enfin du moins ce genre de carton. Généralement c'est assez standardisé et puis on n'a pas d'écriture, mais là avoir un truc standardisé bah ça prouve qu'on est vraiment chez une vraie marque, etc, etc. Et c'est plutôt agréable. Maintenant sur le point du packaging, et bah il est sous blister et ça c'est assez cool. Et du coup on peut voir le produit et puis on peut voir qu'il y a une petite télécommande. Donc je pense qu'on va s'amuser qu'il y aura une petite télécommande. On va voir ce que ça donne et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Mais pour l'instant l'expérience utilisateur est assez cool. On a quelque chose d'agréable, on va essayer de l'ouvrir sans tout fracasser. Et pour l'instant bah, je suis assez satisfait en tant que client qui ouvre son produit. Je suis bien content de recevoir un produit bien emballé et qui fait complètement sérieux. Et là c'est réussi. Donc leur couleur évidemment c'est le orange et ils jouent aussi avec le blanc. Je vais essayer de comprendre, d'accord ok. Mais c'est super cool, c'est super cool. On n'a pas plus intuitif en fait, on n'a pas plus intuitif. Une boîte qui s'aimante et qui s'ouvre comme ça, bah, c'est assez royal pour l'expérience utilisateur. Enfin voilà, ça change d'un truc à un autre truc un peu moins bien, un peu plus bas de gamme. Et on est sur quelque chose de très cool. Ok, donc là on a la petite notice. C'est toujours bien présenté. Jusqu'à maintenant c'est toujours bien présenté. Ah oui, ok. Et encore mieux présenté là j'ai l'impression. Et bah, en fait tout est intuitif. Je veux dire, ils sont pas arrêtés juste à mettre ça. Ils ont vraiment fait l'effort de... Voilà, il y a les petites boîtes avec, je pense, ici, il y a des fils ou quoi, je pense, parce que ça doit se recharger. Plus ça, ça protège, c'est du revêtement et tout, c'est trop cool. Ok, donc là, la notice, en fait, c'est ça la notice. Elle est très épaisse. Qu'est-ce qu'on a? On a une housse et un fil, d'accord. Donc ça, c'est pour le rangement, je pense, tout simplement. Donc on a quelque chose de très cool et qui peut être très durable vu qu'on pourra la garder longtemps et puis la protéger longtemps. Donc pour l'instant le confort y est tout simplement. Ensuite on va sortir le produit, donc voilà, il coûte 65 €. Enfin du moins je l'ai trouvé à 65 € sur internet. Mais voilà, c'est dans ces eaux là, je sais qu'il y a plus cher. Et on va voir du coup, bah, pour l'instant c'est bien réussi. D'avoir un produit aussi qualitatif, aussi bien emballé, pour l'instant c'est bien réussi pour le prix. La petite télécommande qui est très mignonne, très mignonne et très petite surtout. Bordel, j'ai des petites mains, mais regardez ce que ça donne dans ma main. C'est assez petit. Et du coup, ça, c'est pour pouvoir le poser. C'est un espèce de trépied. Voilà, on le tourne comme ça. Et puis, on peut se poser. Et puis, on peut, par exemple, faire un live sur YouTube ou quoi. Puis, ça tient. Mais voilà, on a tout ce qu'il faut. Et en dessous, bah oui, il n'y a rien. Mais du coup, c'est emballé dans quelque chose. Ça ressemble aux boîtes d'œufs. Et c'est bah, très bien emballé. Et on a quelque chose pour retenir l'humidité. On est sur quelque chose de très qualitatif. Maintenant, les gars, le mieux, c'est de faire une petite cinématique, de tout détailler, puis ensuite de tout tester. Mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose de très correct. Attendez, je vais essayer de comprendre comment... D'accord, ok. Écoutez les amis, je vais faire une petite cinématique, on va tout détailler et puis on se retrouve après pour un test. On se trouve donc pour la cinématique du OM ISTD X2. Ce stabilisateur de téléphone comporte 3 axes de stabilisation, ce qui nous donne des vidéos très smooth. Il est donc wireless, on peut le connecter via son téléphone et une application. Et on a également une petite télécommande pour le contrôler à distance, prendre des photos, changer le sens de la caméra, démarrer, arrêter la vidéo, prendre des photos, etc. Et ce du coup bah, à distance, ce qui est très pratique. On a un face tracking, objet tracking, et du coup bah, on peut suivre
suivre des objets, des personnes ou quoi, sans pour autant avoir à régler à chaque fois le bouton. On a un mode cinématique donc pour faire des timelapses, etc., etc. La batterie peut tenir jusqu'à 10 heures. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente, les gars. C'est énorme. Bon, maintenant on va passer au test et puis on va voir un petit peu ce que ça donne ce produit. Et bien, on va passer à l'utilisation et au test de cet objet. On a un bouton on/off, enfin power. Voilà, il s'allume directement. Je vois qu'il recherche le Bluetooth. Je vais aller dans mes Bluetooth et voir s'il se connecte facilement ou non. J'ai téléchargé l'application qui allait avec. Je vais vous le montrer juste après. Voilà, je le détecte. Je me connecte. Une lumière différente s'affiche. Donc, c'est qu'on est bon. Jumelé. Tac. On est donc connecté. Maintenant, je suis sur l'application et je vais essayer de lire un petit peu ce qu'ils me disent. Activé. Voilà, en train. Ouais. Oula, attends. Attends, frérot. Mais c'est normal, il n'y a pas le téléphone dessus. Ah. Ah. Ok. Donc je l'allume et on va essayer de faire en sorte qu'il s'installe correctement. Et ça y est, c'est fait. Il fallait juste le déverrouiller au niveau d'ici pour qu'il ait de l'espace tout simplement pour bouger. Et là, c'est stable en fait. C'est dingue, mais c'est stable. Voilà, c'est très stable. C'est très stable. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une petite vidéo et puis je vais vous montrer du coup le résultat que ça donne avec le stabilisateur tout simplement, les amis. On va essayer de le poser. Ah, c'est incroyable, bordel, je peux le poser. Ah, mais elle fonctionne la télécommande. Directement avec ça, du coup, comme ça en Bluetooth, je peux prendre des photos. Je clique sur un truc, ça prend une photo. Mais c'est incroyable. Attendez, je vais faire une dinguerie là. Voilà, je retourne. Bon, après, vous me diriez, il y a aussi le timer. C'est vrai, mais bon, ça, c'est quand même pratique et c'est quand même stylé, bordel. Ok, pour vous situer un petit peu avec la télécommande, et je peux tout simplement faire tourner le téléphone. Enfin, c'est incroyable. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Genre là, attendez, hop, je prends une photo. Ok, petite photo. Je peux le monter, je peux le descendre. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, bordel, c'est incroyable. Je peux également le changer de sens, mais c'est incroyable. Putain, je kiffe trop, les gars, vraiment. Il y a également des boutons, hein. Je peux vraiment tourner tout comme je veux pendant que je l'ai dans la main. Et ça, c'est assez agréable également. Ok les gars, là on va tester, oula, faut que je m'habitue un petit peu, on va tester tout simplement le stabilisateur et pour l'instant on a quelque chose d'assez stylé, je peux tourner gentiment comme ça et c'est assez stylé. Imaginez-moi derrière avec une plage tout simplement ou quelque chose comme ça, c'est assez incroyable. Voilà, on va essayer de marcher un petit peu et on va voir que c'est assez stable, bordel. Je pense que le seul bémol c'est que ça tourne lentement, mais après il faut ça pour que ce soit stable dans tous les cas. Mais c'est vraiment très stable les gars, je sais pas, mais là je suis en train de bouger ma main comme il faut et c'est incroyable. Voilà, regardez, là je peux vous parler et d'un coup je pose ça, tac, je prends la petite télécommande et là c'est parti tout simplement, voilà. Donc écoutez, je pense qu'on va se retrouver pour la conclusion de cette vidéo, mais pour le coup là les gars, cet objet, il va vraiment me servir pendant les vacances. Donc écoutez, c'est parti pour la conclusion et puis mon avis sur ce produit. Et bien alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? Les gars, il se connecte déjà très rapidement, faut évoquer tous les points. Il se connecte très rapidement, l'application est très intuitive, il y avait juste à scanner un QR code. Il est rechargeable en USB type C. Cette télécommande, je pense que c'est le plus de ce produit. Elle est toute petite et on peut vraiment se servir de ça, même à, enfin je ne sais pas, à la distance, mais de façon assez loin, on peut bouger ça, tout régler, et ça je trouve ça royal. J'ai même pas enlevé les petits protèges là, mais dans tous les cas ça m'a pas empêché de l'utiliser correctement, le téléphone reste bien accroché et tout ça pour un prix raisonnable. Vous pouvez aller voir en description, je mettrai tous les liens en description les gars. Je me rappelle que le dernier stabilisateur que j'avais ouvert était plus cher et pour le coup on a la même chose voire mieux avec cette petite télécommande. Donc les gars, pour les vacances je vais l'utiliser comme il faut. Évidemment ça c'est le trépied mais on peut l'enlever comme ça, c'est encore plus pratique dans le sens où c'est une petite poignée et on va essayer de la ranger là. Voilà, on fait comme ils ont dit. Tac, et on va ranger ça dans la housse qui va le protéger convenablement de tout ce qui peut se passer sur le trajet. Donc voilà, c'est parti. En tout cas les gars, pour moi c'est validé. Je remercie encore la marque OM de m'avoir envoyé ça, c'est assez cool de leur part étant donné que pour les lives, les vidéos cet été, ça va être assez cool et très pratique pour moi. Tout se trouve en description si vous êtes un petit peu intéressé ou si vous voulez voir un petit peu leur site, leurs produits ou ce produit en particulier. Tout y sera les amis, donc n'hésitez pas à aller voir, ça fait plaisir. Et nous on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une très bonne journée. Pour les plus intéressés, j'ai créé un pack miniature qui s'appelle le pack créatif de A à Z avec un ami designer. C'est un pack qui servira à faire vos miniatures et à gagner du temps quand vous allez faire vos miniatures. C'est un concentré d'idées et de créations qui me semble très utile pour les créations de miniatures. Je l'utilise moi-même pour faire mes miniatures. Bref, le lien est dans la description pour en savoir plus.